L'Église, c'est un établissement public, donc qui dépend, il faut le dire, du ministère de l'Emploi, du ministère de la Ville, et nous accueillons principalement des jeunes entre 18 et 25 ans qui ont des difficultés à s'insérer ou professionnellement ou à rentrer en formation. Donc, les profils sont très variés. Les jeunes sont sans diplôme, sans qualification. Ils ont au minimum un CAP, mais ce n'est pas toujours le cas. On a de plus en plus de publics de niveau assez faible. Donc, quand ils rentrent chez nous, ils rentrent pour être accompagnés sur un parcours entre 8 et 1 an, parfois plus d'un an. Et ils sont accueillis au cours dans des groupes, dans des sections, et accompagnés par un ensemble de professionnels qui sont donc dans une équipe. Il y a un chargé d'insertion professionnelle, un formateur d'enseignement général, des conseillers d'éducation citoyenne, des moniteurs éducateurs qui les accompagnent la nuit, par exemple, mais la journée aussi. Et autour de ça, il y a un accompagnement social, un accompagnement santé, des cours d'informatique, des cours de sport et des cours de code. Donc, quand ils rentrent chez nous, ils sont pris en charge dans la section et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils sortent en sortie positive. C'est du moins ce qu'on espère à chaque fois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, pardon, pour ces jeunes, vous nous aviez dit qu'ils sont souvent issus de quartiers prioritaires de politique de la ville, Tout à fait, tout à fait. non qualifiés, avec des origines sociales, culturelles très diverses, parfois même des sorties de prison, des jeunes qui sortent de prison, parfois même des jeunes sans domicile fixe. Alors, ça peut être des jeunes sans difficulté. En fait, au départ, c'est vraiment des jeunes qui ont des difficultés d'insertion et de formation. Quand ils rentrent chez nous, ils sont volontaires, donc ils rentrent pour. Passe des entretiens, tout le monde n'est pas accepté. Il faut quand même qu'ils aient, comment dire, enfin, ce que j'ai pas dit quand même, c'est que quand ils sont accompagnés, ils perçoivent une petite indemnité tous les mois. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on accueille des jeunes sans qualification, des jeunes avec CAP, des jeunes qui sont allés jusqu'au bac mais qui n'ont pas réussi leur bac. On accueille des migrants. On a des jeunes qui sont au niveau d'illettrisme, on n'a pas d'alphabétisation, mais parfois on en découvre, et on a des jeunes en situation d'illettrisme de niveau 1 ou 2. Voilà. C'est mon projet de vie, c'est ma passion. Donc effectivement, j'ai commencé par la danse contemporaine. Et donc j'ai été danseuse contemporaine, artiste chorégraphique. Mon premier diplôme en danse a été un diplôme de professeur de danse. Ça a été un déclic en fait, parce que comme j'avais beaucoup enseigné avant de passer mon diplôme, j'avais beaucoup de questions sur la pédagogie. Donc j'ai continué avec une formation à Paris de formateur pour les danseurs, et de formateur sur la pédagogie de la danse. Donc là, c'est pareil, j'ai fait 2 ans de formation tout en continuant mon activité professionnelle. Et j'étais tellement passionnée que je me suis dit, tu peux pas t'arrêter là, il faut que tu continues. Et donc là, j'ai commencé un cursus universitaire. J'avais 35, 36 ans. J'ai fait une licence en sciences de l'éducation. Ensuite, j'ai fait une maîtrise et un DEA, un diplôme d'études approfondies en anthropologie et didactique à Bordeaux 2,
Alors les études de sciences de l'éducation, comme ça me passionnait, ben j'ai voulu continuer. Et à la suite, j'ai fait un master 2 professionnel de responsable de formation insertion. Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie, en fait, de faire une réorientation professionnelle vers l'enseignement et la formation. Et comme parallèlement, en fait, j'étais très engagée personnellement dans une association humanitaire au Burkina Faso. J'ai rencontré des personnes qui travaillaient sur l'éducation, la formation, et donc je me suis investie de manière bénévole sur des projets avec la pédagogie des sciences, notamment sur des malles pédagogiques qui avaient été initiées par la Cité des sciences et de l'industrie de Paris, mais qui avaient été reprises au Mali. Donc c'est des malles pédagogiques. Sur l'eau, le sol, les plantes, et puis le corps et la santé. Et donc j'ai trouvé que cette pédagogie-là était tellement porteuse pour les publics qu'on accompagnait au Burkina, qui étaient souvent des enfants déscolarisés, des enfants des rues, que je me suis investie un petit peu plus. Et donc du coup, j'ai développé un projet qui a été financé par des Italiens. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé d'être coordinatrice pédagogique de cette école de la deuxième chance, en fait. J'y suis donc partie travailler au Burkina pendant un an. Ensuite, mais entre-temps, en fait, j'avais fait des remplacements de professeurs des écoles dans l'enseignement catholique, parce que c'est pas possible de le faire à cette époque-là, c'était pas possible de le faire à l'éducation nationale, dans l'Académie de Bordeaux. Après cette expérience-là, j'ai souhaité continuer, mais je suis revenue quand même à Bordeaux. J'ai travaillé comme coordinatrice d'une formation DEGEPS pour le Grain-Aquitaine. Et en parallèle, j'ai obtenu un poste de chef de projet et conseillère technique en formation avec une ONG qui s'appelle Enfants et Développement, qui maintenant a fusionné avec Planète Enfant. Et là, j'ai travaillé avec des équipes locales sur la santé et sur l'éducation. Et en fait, j'ai formé les équipes locales à la pédagogie. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, c'est un peu brouillon peut-être ce que je présente. Donc je suis revenue en fait en 2013. Là, en 2013, j'ai fait des remplacements de professeurs des écoles et j'ai aussi travaillé dans des centres de formation à insertion. Comme par exemple l'association Insermédia qui faisait de l'accompagnement au savoir de base et aux compétences clés pour des adultes, avant d'intégrer l'EPID où je suis actuellement en tant que formatrice d'enseignement général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, peut-être je peux continuer avec ce que je fais à l'EPID aujourd'hui. Oui, tout Donc, à fait. à l'EPID, en fait, j'accompagne des jeunes comme je l'ai dit, entre 18 et 25 ans, qui ont principalement eu des difficultés avec l'école, qui ont été soit en décrochage scolaire, soit oui, en abandon, qui ont des difficultés, qui peuvent avoir des difficultés familiales, qui peuvent pour certains avoir des difficultés psychologiques, qui ont eu tous des accidents de la vie. Certains ont des difficultés cognitives, certains ont des troubles cognitifs. Donc on peut avoir des jeunes qui sont illettrés, ça je l'ai dit, limite alphabétisation. Et quand ces jeunes arrivent, si vous voulez, dans notre groupe, dans notre section, on a une première phase qui est leur redonner l'envie d'apprendre. Je crois que ce qui a guidé, moi, mon parcours, c'est vraiment un intérêt pour développer le potentiel de chacun, redonner l'envie d'apprendre, remotiver, permettre à chacun de prendre confiance en lui et d'avancer, et de redonner le goût
d'une formation, d'un apprentissage et de sortir un petit peu de la situation difficile dans laquelle ils sont. Donc, je fais à la fois de la remise à niveau en français, en mathématiques, en logique avec les ateliers de raisonnement logique. Je fais de la médiation culturelle. Je fais du coaching. J'essaie en fait comment dire, de trouver l'entrée. Quelle entrée on va pouvoir prendre pour redémarrer quelque chose. Vous nous avez parlé Voilà. vous nous avez dit que chacun avait un potentiel, donc il Oui. s'agissait de faire ressortir ce Tout à potentiel fait. Oui. et parfois même par des médiations qui peuvent exister autour du cheval, ça peut arriver, hein. Oui. En fait, la plupart du temps, on cherche les freins. On cherche ce qui fait frein et on le cherche avec le jeune, en fait. Donc, mais souvent, ils avancent cachés. Ils nous donnent pas toutes les pistes, toutes les billes. Et donc, il faut avancer ensemble dans ce parcours. Et c'est toute l'équipe qui travaille à l'accompagnement. Ça veut dire que quand on accompagne un jeune, on communique avec l'équipe et c'est l'équipe qui l'accompagne dans son ensemble, dans un cadre qui est très structurant. Et vraiment, le but, c'est de redonner confiance en soi, c'est de construire du positif, toujours construire du positif. Et là, je vais rejoindre un peu mes collègues, c'est que je vais utiliser toutes les méthodes pédagogiques que je vais trouver. Ça va être souvent des pédagogies actives, mais parfois il y a des jeunes qui n'arrivent pas à rester en cours. Il y a des jeunes qui en salle de cours s'endorment ou ont envie de sortir ou parfois ont des réactions assez violentes. Donc, il faut trouver le lien, les freins et puis il faut trouver l'entrée. Et à partir de là, on peut commencer à démarrer un accompagnement. Alors, ce que j'ai pas dit quand même, c'est que je ne fais pas de cours. Ça veut dire que je n'enseigne, je fais du collectif. Mais chaque jeune est différent. Donc, je peux avoir dans un même groupe un jeune qui est illettré de niveau 1. Je peux avoir un jeune qui a son CAP. Je peux avoir un jeune qui est FLE, par exemple, parce que je fais aussi du FLE. Et je peux avoir un jeune qui a raté son bac. Voilà. Et tout ça, tous ces jeunes se retrouvent dans le même groupe. Et donc, on peut faire des temps collectifs, mais chacun a son parcours individualisé et son accompagnement individualisé. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que les méthodes, par exemple, je vais donner un exemple, ça veut dire que je peux très bien préparer, nous, on a un référentiel, on a un diagnostic de base pour cibler le niveau un petit peu en français, en maths, en logique. Et à partir de là, on construit des séances, mais je veux dire de français, mais elles sont à chaque fois adaptées aux jeunes. Ça veut dire qu'à chaque fois, je peux utiliser des documents qui existent, qu'on peut trouver dans nos livres ou même sur Internet. On a quand même pas mal de sites pédagogiques, mais il y a toujours une organisation, un programme, une réorganisation individualisée. Par exemple, je pense à un jeune qui avait des difficultés, de grosses difficultés à rester assis, même, je veux dire, il n'arrivait pas du tout à travailler, donc son projet c'était d'être réparateur vélo. Eh bien, avec le prof de, avec le, avec un autre enseignant, on a fait un atelier de vocabulaire autour du vélo et on a travaillé en pratique. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais on est tout le temps en mode. Qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire en création permanente de support. On s'ennuie pas, c'est passionnant. Ils sont Ils sont maximum combien en même maximum temps? combien en même temps? Quand Alors en fait, ils arrivent tous les 2 mois. Nous, on a un centre avec 150, une capacité de 150 volontaires. Donc chaque section en accueille 30. Mais 30 divisés en deux groupes. Ça veut dire que tous les 2 mois, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc, c'est en 15 nouveaux. Une fois que ces 15 nouveaux-là continuent leur parcours, qui peut aller jusqu'à un an, hein, de 8 mois jusqu'à un an, ou peut-être plus, parfois, pour certains. Mais tous les 2 mois, on accueille normalement des jeunes nouveaux. On a deux groupes
On a deux groupes, un GP1, un GP2, et tous les jours, ils ont des cours. Et nous, en règle générale, on a trois cours par GP, c'est-à-dire six cours par semaine, hein, de 1h45 environ. Et on a des ateliers de besoin, où là, on fait des ateliers spécifiques en fonction des besoins des jeunes. Ça peut être très varié, ça peut être travailler sur la mémoire, ça peut être travailler sur le vocabulaire du code, ça peut être se repérer sur un plan, ça peut être les problèmes simples ou les problèmes complexes ou une notion en français, voilà. C'est un travail qui est très intéressant, très créatif. Très frustrant aussi parfois parce que quand on accueille les jeunes, eh bien, ils ont toute la semaine des cours. Donc il faut savoir que la priorité, c'est quand même l'insertion professionnelle. Donc autant pendant les premiers mois de parcours, pendant les 2 premiers mois, on va faire de la remobilisation aux apprentissages. Ensuite, il faut passer par une phase de consolidation. Et ensuite, au bout de 2 autres mois, c'est-à-dire du 4e mois, on va dans une phase de sécurisation. Ça veut dire que là, on considère que le projet du jeune, il est à peu près défini et confirmé. Et là, on le prépare en fait à rentrer soit en formation, soit à l'emploi. Donc là, notre apport, il va être vraiment ciblé. On va pas mettre les mêmes priorités sur un jeune qui veut rentrer dans le bâtiment qu'un jeune qui veut rentrer dans une formation informatique ou en animation socioculturelle, par exemple. Voilà, on va pas lui faire faire la même chose. Ah, on ne vous entend plus? Non, voilà, je peux rajouter. Je sais pas, dites-moi. Est-ce Est-ce qu'il y a que... des. On comprend les difficultés de ce métier avec le public particulier. Quelles sont les satisfactions? Est-ce qu'ils viennent vous voir, ces jeunes, quand ils ont réussi à s'insérer après? Oui, on reste en lien, ils reviennent nous voir, ils reviennent nous voir parfois mariés avec des enfants. Donc oui. Oui, on reste en lien. Bon, il faut savoir que dans le centre aussi, comment dire, on a un rôle qui s'adapte en fait. Parce que même si on est on prend en compte en fait la personne dans sa globalité. Il y a aussi tout un, comment dire, il y a à la fois un accompagnement vers l'autonomie. Ça, c'est très important, mais on est aussi comme une famille pour certains. Donc voilà, on peut avoir des rôles familiaux aussi. C'est très particulier, c'est très particulier. Mais c'est un travail extrêmement prenant parce qu'en fait, on doit toujours répondre aux priorités, aux besoins et aux activités globales du centre. Donc c'est très très riche, c'est très riche, c'est très formateur. C'est très intéressant. Donc, moi, j'invite les étudiants à venir parce que dans un travail éducatif, pédagogique et d'enseignement, c'est vraiment très complet. Donc, voilà. Donc, moi, c'est un métier c'est un métier que j'adore, en fait. Voilà. C'est un Merci métier que beaucoup. j'adore parce que développer le potentiel chez un jeune, faut vraiment chercher parfois, faut construire du positif et lui-même, il n'y croit pas. Tous les jeunes qu'on reçoit, ils ont absolument confiance en eux, ils ont une image extrêmement négative d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont nuls en français, qu'ils sont nuls en maths, qu'ils sont nuls en logique. Et nous, notre rôle tout le temps, c'est de dire, bon, bah voilà, si, c'est possible, vous pouvez, voilà. On continue, il faut s'appuyer, on met des pierres, il faut qu'ils s'appuient sur les pierres pour avancer et arriver vraiment à réaliser leur projet professionnel. Le recrutement est très varié finalement au centre, puisqu'on a effectivement un jeune qui vient de rentrer qui avait un master d'enseignement. Qui n'avait pas eu son concours de professeur des écoles, par exemple,
On a une licence FLE, master FLE. Voilà, et moi qui ai fait un master de sciences de l'éducation. Alors, je voudrais dire deux choses aux étudiants. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de commencer par la pratique. Ça veut dire que pour enseigner la danse, j'ai commencé par enseigner la danse sans me poser de questions. Les études universitaires que j'ai faites, en fait, je les ai faites après avoir été enseignante et formatrice. Et du coup, ces études en sciences de l'éducation, pour moi, elles ont été d'une très grande richesse, d'une très grande ouverture, parce que c'est des études multiréférentielles. Donc, elles m'ont permis de devenir chef de projet au Burkina Faso et sans avoir fait de formation de formation spécifique dans le développement, en fait. Elles m'ont donné vraiment la capacité de gérer un projet, de travailler sur la formation. Donc, c'est vraiment, j'ai adoré les études de sciences de l'éducation. Elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont ouvert. Donc, ça, je veux le dire. Ensuite, moi, je suis formatrice, c'est-à-dire je ne suis pas enseignante, je ne me considère pas comme une enseignante, je me considère vraiment comme une formatrice. Et c'est différent, en fait. Voilà, ce n'est pas le même métier. Voilà, pour l'essentiel. Et puis la troisième chose que je veux dire, c'est que dans ce rôle de formatrice, c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment un accompagnement, une rencontre humaine avec l'autre. Voilà, et pour moi c'est très important en fait de dire ça aux jeunes. Donc notre centre accueille des stagiaires. Donc s'il y a des jeunes qui veulent être stagiaires au centre, il faut qu'ils en fassent la demande. Et ensuite, ils peuvent être. Moi, je suis tout à fait prête à accueillir des jeunes en stage. Bon. Voilà, pour faire connaître ce métier de formateur, de formatrice, ça peut donner une expérience. Et parce que notre public est un public difficile, eh bien, c'est en ça finalement qu'on est obligé de chercher, d'être en perpétuelle recherche pour l'autre, pour accompagner l'autre. Et Voilà. vous ouvrez les possibilités de stage aux étudiants qui ne sont pas en sciences de l'éducation ou en. Ça peut être élargi. Oui, dans la mesure où ils ont je veux dire, un projet d'enseignement ou d'éducation. Parce qu'il s'agit, dans mon travail, d'accompagner des jeunes pour leur réussite, leur entrée en formation. Donc, il faut apporter des savoirs de base, des compétences clés, des méthodes de travail. Je veux dire, il faut les accompagner dans la formation. Très bien. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de cours, en fait, il peut y avoir des parcours FLE. On a des jeunes, on a des migrants, on accueille des migrants, donc on n'en a pas beaucoup, on devrait en avoir un petit peu plus, mais on a des profs de FLE et on peut accueillir des jeunes en formation FLE.